Votre dessein pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est pour vous un coup bien téméraire. Dans un petit couvent loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Oh, c'est fait! Pourquoi donc? Oui, je meurs! Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'aurions jamais passé devant chez nous, cheval, âne ou mulet, qu'elle ne prie pour vous. Ne vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus et vous êtes de taille à faire des courses. Mes petits soins, d'abord, ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert à tous accès. Et sans trop me vanter ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est un jeune objet qui loge en ce logis. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper le doigt, il en montre aussitôt une colère extrême. Quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Allons-y, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu arrives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir... Quitte ce marbeux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sang qu'il faut qu'il ait jeté sur toi et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te bouchonnerai, baiserai, vengerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, cela c'est tout dit.